nous fêtons en ce 29 juin Saint-Pierre et Saint-Paul-Apôtre. C'est ce jour que choisissent les diocèses pour ordonner de nouveaux prêtres. Les ordinations sont un événement et une bénédiction pour nous chrétiens. Nous les souhaitons toujours plus nombreuses et plus enthousiastes, car elles sont le terreau où naissent les vocations de nos jeunes. Pourtant, pas plus aujourd'hui qu'hier, aucune époque n'est facile pour répondre à la demande de l'évangélisation du Christ. Cela fait 10 ans que tu t'emploies à relever ce défi ici, comme tu l'as fait ailleurs par le passé, et comme tu le feras demain à la fin de secours et piquine. Merci. Merci de nous avoir bousculés, interpellés, ouverts les yeux, encouragés. Et surtout, merci d'avoir fait grandir notre foi en Jésus-Christ. Pour nous annoncer ton départ, tu nous confiais que nous étions, nous, les paroissiens, la plus belle histoire d'amour. Cette déclaration, en plus d'être amicale, est aussi évangélique. Elle s'inscrit dans la raison de vivre que représentent les enfants d'une même famille pour leur père. Car tout cela, nous l'avons vécu sous la bienveillance de notre Créateur et de son Fils Jésus, présent au milieu de nous. Et maintenant qu'il est bien venu le temps pour nous de te dire au revoir, voilà, demandons-nous tous ici présents, chacun au fond de notre cœur, qu'allons-nous faire de cet amour que nous avons reçu?